Ouais, bonsoir à tous et bienvenue. Bienvenue pour un nouvel épisode sur Satisfactory et bienvenue pour la suite de cette mini-série qui est plus si mini au final, faut le dire comme c'est. Promis, le prochain épisode, on repasse un petit peu sur la série principale, on va essayer de mixer un petit peu les deux dans les prochaines semaines. Mais je voulais refaire un épisode depuis le temps que j'en avais pas fait et pourtant la map a beaucoup évolué. Déjà en termes de design, on a changé, on a fait des murs et des coloris beaucoup plus militaires, beaucoup plus, comment on pourrait dire, on s'est mis dans un style un petit peu bloc de l'Est soviétique années 80-90, et je trouve que ça rend extrêmement bien. Voilà, le style avec ces couloirs-là, je trouve ça vraiment très stylé, franchement. Faut le dire comme ça, j'ai aucun regret de ce choix de couleur. Il est vraiment très très bien. Nous avons, lors de la précédente session, commencé à faire la série, enfin continuer. Nous avons la suite à faire aujourd'hui, mais déjà, petite présentation des petites nouveautés. Donc, ça, l'entrepôt continue à s'agrandir progressivement, ça c'est une certitude. La série n'a pas bougé. La cuivrerie s'est agrandie, je ne sais plus si vous l'aviez connue. Je ne sais pas. C'est pas forcément un bâtiment extrêmement pertinent, mais c'est quand même un bâtiment qui est très utile. C'est-à-dire que c'est un bâtiment qui va nous produire 2 x 1200 lingots de cuivre et une fois environ 800 tôles de cuivre par minute, bien sûr, je parle. À savoir que là, donc, ce sont toutes les tôles qui pourront partir d'ici et les lingots partent des deux blocs qui sont là. Et notamment une partie qui part sur les drones. Parce que nous avons débloqué les drones, on a pas mal avancé dans les technologies. Et faut savoir que ce drone-là part du côté du pétrole pour pouvoir ramener notamment des... Yep. Non, c'est pas le drone ça, non, ça c'est un train. Notamment pour pouvoir ramener des lingots de cuivre, pour pouvoir faire la bauxite. Parce que la bauxite, elle est fabriquée là-bas. Ensuite, est-ce qu'il y a des nouveautés? Est-ce qu'il y a des nouveautés particulières? Alors là, il y a tout ça, je vous dis, c'est un peu... Alors, est-ce qu'on peut dire que c'est de la poudre aux yeux? Oui et non, parce que c'est utile. Mais... Donc, nous avons l'ascenseur orbital qui est juste ici. Nous avons notamment tout ce petit complexe-là dont je suis très fier. C'est beaucoup de petits détails. Il faut savoir que j'ai vraiment passé, je crois, 3 heures à faire toute cette zone-là. Faire cette rambarde-là avec les trucs en charpente. Je trouve que ça fait vraiment industriel. J'aime beaucoup dans le style. Des drones ici qui sont prêts dans l'absolu. Là, nous avons bien évidemment un accélérateur qui va pouvoir être alimenté depuis un des drones. Mais on est encore très très loin, je peux vous assurer, de pouvoir prétendre rentabiliser cette chose. Broyeur, tout ça, donc ça c'est plus pour avoir un système de tri au cas où si on fait de la merde. À un moment, là on va avoir des modelers fixit qui ne sont pas encore actifs. Voilà, comme ça, ils sont très bien là où ils sont, mais pour le moment non. Là, nous avons notre première prod de Caterium. Notre première prod de Caterium, donc on exploite tout le gisement dans la théorie, encore une fois. Pour le moment, on n'est pas en MK3, donc on a pas la possibilité. C'est la prochaine production. Prochain jalon. Et dans ce bâtiment, on va produire notamment... Alors, c'est 1200 fils électriques, fils actifs, câbles, par minute, hein, je parle. Et nous avons aussi, notamment... Alors... Tac, tac, tac. Non, tout va bien. Et nous avons aussi, je crois que c'est une cinquantaine de contrôleurs d'IA. Voilà, qui sont produits, ce qui est largement suffisant pour notre consommation, hein, très sincèrement. On a commencé à bien évidemment tout recouvrir, je me suis fait chier aussi à beaucoup de choses, hein, faut le dire comme c'est. C'est beaucoup de détails dans l'absolu. Hop là, on va hop, passer avec le jetpack et le carburant de fusée qui est très très efficace. Hop là, vous pouvez voir, je suis bien bien emmerdé à faire beaucoup de détails, notamment par exemple le fait de pouvoir passer dans les grottes, puisque ça, ce sont les grottes naturellement, mais moi, je les ai artificialisées parce que je suis un connard. Vous le dire comme ça. Voilà, là, on a quelques réserves de lingots d'acier. Ça ne sert à rien dans l'absolu, mais ça pourra servir, surtout que j'ai une petite idée là-dessus, qui pourrait être la suite de la série, une fois qu'on aura terminé la série. D'ailleurs, vous verrez qu'il y a eu quelques petites upgrades dessus. Alors, grosse nouveauté aussi, et ça, j'en suis assez fier. Il y avait déjà cette gare, il me semble, lors du précédent épisode. Par contre, la gare... Elle était beaucoup moins complexe que ça. Pourquoi? Déjà parce qu'elle est beaucoup plus stylée maintenant. Je suis désolé, mais coller au truc comme ça, avec les petits encadrements comme ça, ça rend le truc vraiment nickel. Et surtout, et là c'est une des plus grosses complications que j'ai eues, c'est qu'en fait, certes j'ai 4 gares, sauf que ces 4 gares, elles prenaient un convoyeur, alors qu'était MK4 à l'époque, maintenant c'est MK5, pour tout trier partout. Ce qui faisait qu'il y avait des problèmes, on va dire, en termes de fluidité, etc. Et au final... Vu que toutes les gares et vu que tous les trains ne ramènent pas tout
dans les mêmes conteneurs et dans les mêmes sections des gares, il fallait faire une sorte de tri pour essayer de pouvoir fluidifier au maximum la chose. Ce que j'ai réussi. Et ça, j'en suis fier. Voilà. Alors, pour faire simple... Bah, parfait. Parfaite illustration. Bon, ça reste du... ça reste juste un peu de stock de lingots d'acier. C'est pas grand-chose, mais c'est vraiment appréciable, franchement. Ouais, de l'ordre du détail. Alors, hop. Non, j'ai pas pu sélectionner le wagon de fret, tant pis. Ok. Mais en gros, pour faire simple... Ah bah, il y a les deux qui vont arriver. Mais c'est magnifique, ça va me parfaitement illustrer tout ça. Les conteneurs arrivent. Les conteneurs arrivent et vont se vider directement dans ces deux entrées. Ces deux entrées qui vont aller directement dans un conteneur industriel. Et qui vont sortir encore par deux. Là-dessus, il n'y a pas de souci, ça ne bougera pas. Hop là. Alors. Hop, 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 hop. Ça, c'est nickel. Je sais pas combien on en a. Pas tant que ça. Il n'y a pas tant que ça. Il n'y a pas tant que ça de lingots d'acier. Mais au moins, ça permet de continuer à faire un peu de prod. Et nous, continuer à faire des stocks. Et c'est plus important. Là, notamment, bah, ça, c'est le train, justement, qui doit ramener les contrôleurs d'IA. Donc lui, bon, il ramène ça sur le premier poste parce que je lui ai dit de ramener que ça. Que du fil actif et tout ça, on en a vraiment des grosses quantités déjà. Bien qu'on pourrait peut-être lui redemander d'en ramener. Donc, ça part là-dedans. Voilà, tout va bien. On va faire le tour parce que tout est encore en construction et tout est en développement. De toute façon, tant que l'entrepôt n'était pas terminé, je ne peux pas faire le tri de tout. Et voilà, c'est un dispositif. Une fois que ça arrive dans ces conteneurs, ça repart là-dedans. Ensuite, une fois que ça rentre là-dedans, donc déjà, comme vous pouvez voir, ça va aller plus vite. Parce que, au final, c'est... Cette section-là et cette section-là sont indépendants l'un de l'autre. Donc c'est déjà une très bonne chose. Le fait est que pour faire au plus simple, en gros, quand une des arrivées traverse une succession de répartiteurs programmables qui leur dit si c'est ça, vous le sortez et vous l'envoyez. Si ce n'est pas ça, vous allez dans le répartiteur suivant. Et vous faites ça à l'infini jusqu'à ce qu'on ait fait tous les produits. Le fait est que là, à l'heure actuelle, nous sommes rendus donc à tout ce qui est... Alors ça, c'est vraiment très anecdotique. Hein. Franchement, avant qu'on ait des prods qui nécessitent d'être amenés en train avec ça, je pense qu'on est très loin. Mais c'est donc jamais, je préfère prendre des précautions. Mais le fait est qu'une fois que tout est ramené là, ça part donc dans la section et dans le rayon précis. Donc c'est là, on a un tri par rayon. Ce qui est beaucoup mieux qu'avant, on avait un tri sur l'entrepôt entier. Et donc là, vous pouvez voir, donc on a eu contrôleur d'IA qui est passé. Là, on a du béton, donc le béton qui est de la bétonnière qu'on a, enfin de la cimenterie qui est là-bas qui part directement, et un petit peu d'acier, de lingots d'acier qui partent. Et beaucoup de fils actifs, puisque les fils actifs, ça prend beaucoup de temps à s'évacuer, puisque c'est des stacks de 500, donc c'est un peu long. Mais en vrai, dans les faits, ça se fait très bien. Alors, ici, j'aimerais bien savoir ce que c'est. Donc c'est beaucoup de lingots d'acier qui partent en broyage. Ça, savoir que donc on a que quelques broyeurs, j'en ai pas mis tant que ça. Puisqu'au final, c'est pas dramatique. Ce qui part au broyage, déjà, il y a très peu de choses qui partent au broyage au final. Puisque le temps de remplir tout, souvent après, on arrête la machine, la production et surtout l'alimentation de l'entrepôt. Et de toute façon, s'il y a un peu de surplus, ça fait toujours un peu de ticket en plus, c'est toujours pratique. Donc ça, j'en suis très content, ça m'a pris bien une heure à tout compacter parce que, effectivement, l'espace est très restreint. Et donc une fois que ça monte et ça va directement dans toutes les sections. Là il y a une section qui va là-bas, là ça va là, puis après ça part tout là-bas. Voilà. On verra dans les faits comment je fais les suivantes, puisqu'il y a des prods en plus qui ne sont pas actifs ici à l'heure actuelle. Mais ça c'est une problématique que je n'ai pas encore à traiter. Voilà. Donc ça c'est une des plus grosses, enfin une des plus grosses. C'est pas comme ça, on avait changé beaucoup de choses, mais... Ça, c'est une de mes plus grosses fiertés. Ça, c'est une certitude. Voilà, c'est bien fait. Ça manque encore un peu de travail, mais en vrai, ça se fait plutôt bien. En termes d'énergie, on est bien aussi. Notre consommax est très haute. Certes, notre prod est très haute aussi. Mais ça, c'est un autre détail. Le boost électrique qui nous sauve vraiment la mise avec les 2600 MW, c'est vraiment pratique. Ça n'a pas tant bougé que ça, hormis son agrandissement. La cuivrerie qui est active maintenant et qui est fonctionnelle. 1200 lingots x 2 par minute de produit. Plus, au-delà de ça, 780... Attends, c'est quoi? C'est 780... tôles de cuivre, environ, ou du 800 tôles de cuivre, qui sont produites aussi par minute. Sachant qu'une partie, effectivement, sont envoyées en drone directement là-bas.
Je sais pas si est-ce que je l'ai déjà dit? J'en sais rien, j'en doute. Voilà, sinon un petit peu de décoration, on a enjolivé tout ça. Et sinon, rien n'a réellement changé. Ok. Au moins, ça consomme un peu de nos lingots, c'est une bonne chose. Ça fait qu'on rentabilise un peu nos prods. Ce qui n'était pas forcément le cas avant. Voilà. Donc, nous allons retourner là-bas. Alors, il y a eu des modifications et je m'en excuse. Mais ce n'est pas de ma faute. Pour une raison extrêmement simple. La raison simple, c'est qu'il y a un épisode que j'ai perdu. Il y a un épisode qui ne s'est pas fait. Et donc, tout ça, ça a été perdu. Ça a été perdu dans les limbes des enregistrements. Et donc, malheureusement, bah, je ne peux pas trop réparer le truc. Donc, c'est un peu chiant. C'est pas dramatique, mais c'est un peu chiant. Bon. Il y a, pour faire simple, quelques productions qui sont en cours. Il y a quelques fluctuateurs de ME. Voilà, 12 par minute. 12,5 avec cette foreuse-là. On a pas mal de pompes d'eau. Toutes ne sont pas utilisées très clairement, mais c'est déjà pas mal. Donc, ça permet de rentabiliser une partie des bobines de cuivre en consommant quelques lingots. Là, nous avons une prod. Alors, de tuyaux en acier. Mais qui va venir pour une problématique tout autre après. Là, nous avons des tuyaux en acier moulés qui vont juste partir pour les stocks. Pour ensuite potentiellement les exporter là-bas directement à l'entrepôt. Mais ça, c'est un autre détail. Et voilà à peu près les seules nouveautés dans la zone. En gros, pour faire simple, là, à l'heure actuelle, ce que vous avez raté, c'est juste l'enchevêtrement de tout ça. Sans doute les pompes. Normalement, les raffineries, il me semble qu'on les avait faites. J'ai un doute. Je sais plus où on était rendu, en fait. C'est ça, le problème. Mais là, l'avantage, c'est que... on les avait peut-être fait, mais on les avait peut-être pas connectés. Oui, ça devait être ça. Ça devait être ça, ça devait être ça. Au final, c'est parfaitement fonctionnel dans la théorie. Dans la pratique, c'est encore un petit peu bloqué, mais c'est normal. Donc, là, maintenant, nous allons partir sur la suite de ça. Alors, il va falloir que je m'en mette dedans parce que... Je vais être honnête encore une fois avec vous, ça fait 2 semaines, je crois. Non, peut-être un peu moins. Peut-être une dizaine de jours quand même que je n'ai pas touché à cette prod. Ne pas avoir touché à cette prod pendant tout ce temps, ça fait que je ne sais plus où en sont mes repères. En plus, il me faut mon téléphone pour avoir ma calculatrice. Juste là, parfait. Hop, ce serait une bonne chose. Ok. Donc, voilà, nous allons partir là-dessus. Donc ça... Alors, je sais plus sur quelle base j'avais préparé ça. C'est ça la question que je me pose. C'est vraiment ça. Tac, tac, tac. Est-ce que j'avais préparé tout ce qu'il fallait? Là, on a 100. Et là, on avait overclock tout ça. Ok. Alors, le but, faire des stators. Là, je veux faire une grosse prod de stators. Pour pouvoir potentiellement, donc au-delà de les utiliser pour faire des bâtiments, notamment les onduleurs, ça va être surtout aussi pour faire potentiellement des moteurs un peu plus tard. C'est pas ce que je vais faire dans l'immédiat, mais ça va être ce que je vais faire potentiellement très rapidement. Donc c'est pour ça. Alors, nous allons... Si, je vous ai pas montré, mais il y a des jolis tunnels maintenant aussi que j'ai fait. Je suis très content de mes tunnels, de manière générale. Ils sont très très beaux. Alors, c'est surtout pour le temps que j'y ai passé, franchement. Notamment pour les gares, c'est vraiment un enfer. Donc, nous sommes à combien? Nous sommes à 125 tuyaux x 3. Ça nous fait 375 tuyaux. Plus 101. Et en fait, c'est forcément quelque chose que j'ai fait de précis. 101,500. Non. Non. 3. Plus 101,563. Plus 3 fois 100, un truc comme ça. Ok, plus 3 fois 100. 3 fois 100. Ok. Donc là, ça nous fait 76,563 lingots. Enfin, tuyaux pour le pot précis. Maintenant, on va prendre une assembleuse.
Nous allons pas faire les stats en fil actif parce que c'est compliqué de ramener tout fil actif vu qu'au final on a pas mal de cuivre donc on peut se permettre d'essayer de faire cette prod là. Là. Si je fais ça, il va me falloir 37,5. Ah oui, c'était... Est-ce que c'était les tuyaux en acier qu'il me fallait? Attends. Si je fais ça, donc ma prod actuelle, théorique, divisé par 37,5. Fait... Non. Je fais de la merde. 37,5. Fait 20 assembleuses. 20 assembleuses, un peu plus, un poids de passé. 20 assembleuses. 20 fois 100. C'est... 2000. 2070. 2070. Avec une prod de... c'est... Ah. Alors. Si je mets... De quoi en faire 100 ah. Je peux faire que 75. Ok, donc si je demande 50, on va demander moitié moins. 50, il me faut 25 lingots. Donc ça veut dire qu'il me faut 50 lingots. Donc ça, c'est le nombre de fils. Ah oui, bah oui, donc c'est divisé par 2. Ça veut dire qu'il me faut 1000, ça fait 1035 lingots de cuivre. 1035 lingots de cuivre. J'imagine, si j'ai bien fait mon coup, que c'est en partie la consommation manquante de tout ça. Alors, 1035 plus 15 fois 2. Plus 2,5. Non, 1,25. Ça fait 1065. Ah, je viens de tout supprimer, j'ai envie de crever. Bon, c'est pas grave. C'est fonctionnel. Donc on a pratiquement tous nos lingots qui seront consommés. Je verrai si je pourrais pas gratter un peu, mais ça va être compliqué de gratter, je pense. Bon. Ceci étant dit, ok. Donc on a assez de cuivre. Est-ce qu'on a assez de béton? Ça, c'est une vraie question. Alors. Le béton. Ah. Donc 75 fois 3 plus 60, c'est bien, au moins je refais les mêmes calculs que la dernière fois. Plus 60 fois 4. Ok. Donc ça, ça nous fait déjà 525 lingots de consommer. 525 lingots plus 37,5. Non. 22,5. Ok, ça fait 548, c'est un peu... Virgule 438. Fois 1, 2, 3, 4... C'est-à-dire 4 fois 60. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Je ne sais pas ce que j'ai fait. Je vais être honnête, je ne sais plus. Donc rattraper ce genre de conneries. Me demander un peu de temps. Déjà, on va hop, décaler tout ça. Ok. Ça fait que là, déjà, on va retirer un petit peu. Là, si je vais là-dessus, on ne peut pas y aller. Très bien.
Non mais il va falloir bien baisser le niveau en fait. Il va falloir bien baisser le niveau de prod. Parce que là... Si à la place de ça... Je mets... Hein? Mais j'écris de la merde ou c'est moi? C'est... Je deviens bien fou. 525,938. Oui. Plus. Ça oui. Plus. 60. Fois. Allez, 3, 4, 5, 6. Ça fait 908. Donc non, tout va bien. Ah. Je vais devenir fou. Hop, là. Là, on était à combien? T'as 60. Oh, j'ai un chiffre, mais j'ai pas le bon. Alors. Je sais que je consommais 60,938. En 2,5, 1,7, 1,8, 1,9, 1,99. Bon, je mets 1,6. C'est bon. Ok. Donc ceci étant dit, ça c'est good. Maintenant, il va me falloir 1 milliard de constructeurs. Alors. Mes constructeurs, je vais les placer en ligne. Je sais même plus combien il m'en faut. Ah, j'ai oublié les chiffres, quel enfer. Ok, c'est pas grave, on va y arriver. Voilà, on va faire ça chaque chose en son temps. Commençons par brancher un petit peu tout ce qu'il y a en dessous déjà. Ça me prendra peut-être moins la tête. Pas une si mauvaise chose. Hop là. Alors, voyons voir. Alors. Le béton est de ce côté-là, donc ça veut dire que je fasse ça. Là. Là. Voilà. Et là, on a encore besoin. De tout ça. Alors. On a un, deux. Hop. Hop. On va prendre ça, on va mettre hop, un répartiteur de convoyeur. Là, hop. Là, hop. Là, hop. Ça, c'est parfait. Ok.
est-ce qu'on a du béton là-dedans? Oui, on a du béton, c'est juste qu'il s'affiche pas, c'est pas. Ok. C'est une bonne chose. Là, on a la dernière zone d'acier. Là, pour l'acier, il va falloir placer. Hop. Du sol. C'est un peu brouillon pour le moment, mais en vrai, ça s'organise petit à petit. Hein. Pas s'inquiéter du tout. Donc là, biocarburant. Hop, tac. Très bien. Hop. Alors. Tac, tac, tac. Si je arrive à remettre une sortie en plus ici. Il ne va pas y avoir trop de soucis. Alors, voyons voir. Évidemment. Non, 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 non. Quel con. Hop, un. Deux. Trois. Je fais n'importe quoi. Ok. Je suis un peu désorganisé. Non. Ça, c'est très bien comme ça, effectivement. Hop. En mettant un répartiteur de ce côté-là. Pas avoir de problème. Là, lui, on lui dit d'aller de ce côté-ci. Un, deux, trois. J'en ai fait que trois chaque. Il m'en manque un, évidemment. Je me rends compte quand même un peu. Voilà. Beaucoup mieux. Tu vas peut-être me changer les choses là, non? Non, ça a l'air d'aller. Ça va pas trop me saboter. Hop. Là, là, là. Ouais, c'est bizarre quand même. Hop. Là, avec ça. Comme ça. Ça,
ça va me permettre de remonter un petit peu la prod tranquillement. Là, on va juste mettre... ça comme ça. Hop. Hop. On va décaler un petit peu la limite. On laisse un peu d'espace en dessous. Là, voilà, voilà. Évidemment. Hop. Ok. Très bien. Donc ça, c'est bon. Et là, si je fais bien mon coup, voilà, c'est ça. Le câble management, on verra ça plus tard. Je m'assure que tout soit bien branché. Efficace. Ok, super. Donc là, nous avons notre prod de tuyau. Qui est calqué sur je ne sais quoi. Je vous le dis comme ça. Je sais pas sur quoi elle est calquée en vrai. Pourquoi j'ai... En fait, c'est pourquoi j'ai produit des tuyaux en ce nombre-là et pas autre chose. C'est ça qui me chagrine. Forcément une logique derrière que je n'ai pas. Ah, peut-être parce que j'avais pas dit. Est-ce qu'il y a pas un univers parallèle où je me rappelle et j'avais pas dit on fait genre 300 stator? C'est pas impossible là. Hein. Donc. On va voir. Alors. 10 fois. Alors. 300 divisé par 10, ça fait 30. Donc 30 fois. 30 fois 30, ça fait 900 tuyaux. 900 tuyaux. Est-ce que je suis aux 900 tuyaux? C'est ça la question. Alors. 100, 200, 300, 400. 500. C'était peut-être ça. C'était peut-être ça. Alors, il faut 125 aussi. Il faut juste à 120. Parce que là, 30 fois 30, ça fait bien 125 tuyaux par minute. 125 tuyaux par minute. Donc, assez simple. Si je fais 100 fois 4 plus 125 fois 4, ça fait 900. Ok. Donc, on va essayer de faire ça. Oui, c'est ça. Je pense que la logique devait être là-dessus. Donc, vouloir faire... 900 stators. S'il faut 8 fils électriques pour un stator. 8 pour 1 si je dois en faire 300. Attends, 8 pour 1 si je dois en faire 300. Non. Et 8 x 300. Non. Attendez. Si je veux faire... Ah, les produits en croix à la tête comme ça. Faut juste que je fasse le schéma. J'en ai 8 pour en faire 1 et j'en veux 300. Donc ça fait 8... Oui, bah oui, 8 x 300. Simple. Pourquoi je me merde à faire des produits en croix? C'est 2400. 2400 divisé par une prod approximative. Si je multiplie par 2 déjà, au moins, ça fait. Divisé par 60. Ah oui, c'est ça. Ça me fait mal. Par contre, si je divise par 75. Parce que ça me fait 40 sinon. Hein. Ça fait 32. 1, 2. Est-ce que je peux diviser? Oui, ça divise par 4 en plus 32. Donc ça fait 8 rangées. Ça me fait 8 rangées comme ça. Sauf si j'agrandis par là. Ce que je pourrais faire aussi. Et c'est peut-être pas la chose la plus déconnante si je fais ça. Ouais. On va peut-être partir sur ce principe-là.
Ah non! Non, c'est bon. Je me rappelle de... Quelle était la dernière chose que je faisais? Justement, c'était en lien avec ça. En gros... Le principe... Je voulais faire un modeler. Hop, là. Alors, on va nécessiter déjà de cramer ce truc-là. Allez. Non, ça veut dire que je peux pas le péter celui-là. Bien. Obélisque. Obélisque. Tu vas me dégager, non? Merci. Voilà. Il y a un moment, quand ça marche pas, faut forcer un peu. Alors, modeler fixe. Où je le mets là? Très bien aussi, c'est pas trop un souci. C'est juste le temps de faire un test. Ce que je me dis, c'est qu'il n'y a pas d'électricité dans le coin non plus, donc c'est un enfer. Hop, modeler de plan. Hop, je peux essayer de faire ça là, et à la limite, ça je le dégage. Ok, et là j'ai un peu plus de jus, donc ce sera une bonne chose. Alors, je voulais voir si je pouvais pas les empiler. Bizarre dit comme ça, mais je suis persuadé de pouvoir empiler proprement les constructeurs. 1, 2, 3. Si je mets un petit support de pilier comme ça. Que je mets en charpente. Oui, ça peut être bien les plus charpentes. J'ai une limite de le mettre là, mais non, ça va être trop court. Hop. Pourquoi je fais ça? Alors, le sol, c'est là où la question se pose. On pourrait partir là-dessus. Mais ça va faire un peu bizarre, non? De mettre ça directement dessus. Pose ça là-dessus, ça fait bizarre. Après, rien ne m'empêche de faire ça. De mettre un mini-sol. Comme ça. Là, comme ça. Non, je l'avais là, voilà. Comme ça. Nous fait un joli sol en charpente. Enfin un joli, bon, subjectif hein, bien sûr, mais c'est pas moche dans l'absolu. 2 3, ça fait que je peux en faire pas mal comme ça. Là ça fait 1 2 3 4 5 6 constructeurs. Si je pars du principe que je laisse de l'espace entre chaque, histoire de garder un truc un peu aéré quand même. Ça. Je repasse ça comme ça, comme ça. Je lui demande. Hop. Là, voilà. Là, là, là. Ok. Un petit sol en charpente que je trouve vraiment pas dégueu. Après, peut-être à blinder un petit peu le sur les bords, mais ça, ça va être un autre détail. Donc là. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Donc ça me fait 6. Donc 6 divisé par 6 et 32, ça me fait 5 fois ça. Ça me fait une sacrée brique, mais en vrai c'est totalement faisable, hein. C'est totalement exploitable. Faut juste que je fasse un truc un peu plus joli.
un peu plus joli et peut-être un peu plus... Non, ça, ça va pas du tout bien rendre. Est-ce que je peux pas faire un petit... un rebord comme ça. Prendre un peu mieux, on va essayer. Hein, voilà. Faut que ce soit un peu plus blindé que ça, parce que sinon ça fait bizarre. Là, voilà. Non, merde. Voilà. Limite. Je peux essayer de faire un truc là-dedans, mais après, tu me diras, c'est pas forcément plus évident. J'essaie de décorer un petit peu le pylône, non. De faire ça joliment. Là, voilà. Ensuite, est-ce que je peux mettre ça quelque part pertinente ou pas tant que ça? Ça pas non plus effectivement très très intéressant. Possiblement blindé ici. Non. Non, 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 ça je m'en fiche. Je m'en fiche. Les toits comme ça. Rien à foutre. Hop, si j'essaie de faire ça. Mais dommage, j'en ai mis 3. Ah c'est chiant, pourquoi j'en ai mis 3. J'avais pu en mettre... en mettre 4, c'est mieux. On va... est-ce que je peux en mettre 4? Là, je peux pas. Là, si je fais ça... non. Tant pis. Ça, ça restera sur 3 et pas sur 4. Ok, alors, on va faire ça 3 ici. Hop, là. Alors, d'ici, tu vas voir. Un qui va partir là. Un. Là. Un là, donc. Un qui va faire ça, un qui va faire... lui, il part là-dessus. Lui, il part là-dessus. Parfait. Ensuite, inverse zone. On fait en miroir. Donc. Une, deux, trois. Comme ça. Là, on va leur dire. Donc, lui. Comme ça. Non. Là. Comme ça, comme ça. Ah non, je peux pas faire ça exactement en miroir, faut que je fasse ça en sorte de mi-miroir, mi-molette là. Hop là. Hop là, et on le met un peu dessus. Hop. Et lui, on va le mettre. Donc celui-là, donc ça fait ça, ça fait ça, ça fait ça. Voilà. Hop. Donc ça, on a toutes les entrées et les sorties de base de l'installation. Est-ce que je peux ensuite tout ramener proprement? Une fois, là est la question. Donc, faut que tout arrive par la gauche et tout part par la droite. Ce serait la suite logique. De ce que je suis en train de faire. Alors.
Tiens, on va essayer un truc un peu plus audacieux, enfin, un peu plus compact de ce que je fais d'habitude. Mais qui ne doit pas être différent du reste. Je pense. Alors ça, j'ai jamais osé le faire, parce que sincèrement, je trouve ça... Je dirais pas laid. Mais c'est quand même vachement... Ça me va pas, hein. Ça me va pas, ça m'aime pas. En fait, on emboîte juste l'un dans l'autre. Alors, hop, on va. Tac, 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 tac. Ok. Est-ce que je vais réussir à le choper? Non. Ok, voilà. Là. Je vois. Ça. Hop. 1, 2, 3, 4. 4. Voilà. Maintenant, constructeur. Là, comme ça. Lui, on le... Hop. Merde. Oh non. Ok, il n'y a que lui qui est mauvais. Comme ça. Comme ça. Ah. Ah oui, sachant que j'en ai 2400. Alors. 2400, c'est-à-dire qu'il va falloir que je fasse ça deux fois. Pour tout un groupe de stators. Puis après, ok. je suis en train de charbonner un peu dans le cerveau là. Je suis en train de poser les questions de comment on organise la suite. Là, hop. Je peux essayer de faire la même chose de ce côté-là. Voilà limite. Pas beaucoup plus compliqué, pas beaucoup plus long. Là. 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 Là, excusez-moi pour le bruit du voisinage. C'est subtil en tout cas. Ok. Très bien. Maintenant. Hop là. Bien, on va. Hop. Alors, le convoyeur, comment on le met? Je le mets là, ça va le dévier. Ah, moins que je mette ça. Oh, si je mets ça comme ça. Ça comme ça, c'est très bien. C'est très très bien. Moi, j'apprécie. En tout cas, j'apprécie. Hop. Histoire d'avoir l'échelle. Alors, répartiteur, tout simplement. Hop. Là, ok. Oh non. C'est chaud, quel enfer. Quelle déception. Bref, après... Non, attendez. On va voir ça. Ça. Là. C'est fixé, là c'est fixé, là c'est fixé. Là c'est fixé, là c'est fixé. De mettre ça un peu plus centré. Non, c'est un peu trop centré. Ah, je pense que ça peut faire un truc. Ouais, ça fera un truc pas trop mal. Ok. Voilà.
Donc, là, on en alimente une partie. À la limite. À la limite. Non, c'est un peu trop court. Ça, c'est un peu triste. Ah. Ça aurait été cool. On va essayer un truc. Encore essayer un truc. C'est encore une fois, c'est expérimental tout ça. Hein. Si je décale ça de 1. Comment lui il le vit? Incruste. Non, non. C'est moche. C'est moche, c'est moche. Dommage. Si j'avais su, j'aurais peut-être avancé toute la structure. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Je fais ça comme ça. Voilà. Avec ça comme ça. Ouais, nickel. Ça c'est good, comme ça au moins. Tout est réparti donc dans... Là pour le moment, qu'est-ce qu'on fait? On alimente. On alimente 9. Il y a ça aussi. C'est vrai qu'il y a celui-là aussi. Il faut que je trouve un moyen d'alimenter. Bon, ça... J'ai presque envie de me dire que c'est pas trop compliqué. Mais ce serait peut-être me mentir, donc on va faire attention. Et là, on alimente les 2/3, on en ressort que... Enfin, les 3/4, et on en ressort que... 1/4 officiellement, officieusement, plus ou moins. Alors. Voilà un répartiteur. Faire ça comme ça. Encore une fois, juste une histoire. C'est juste une affaire de style. Alors. Là, c'est pas mal, mais le problème, c'est qu'après, le reste, comment je les chope, les derniers? Comment je chope les autres? C'est là où ça, c'est là où ça se complique. Parce que, certes, ça a son style comme ça, mais... Mais c'est tout. C'est tout, c'est tout. Je pourrais faire ça. Si je fais ça comme ça. Mais le problème c'est que ça va clipper dedans là. Oui. Si je fais ça. C'est beaucoup trop complexe pour ce que c'est censé être. C'est stupidement complexe. Il est plaqué à lui. Mais... Là, si je fais ça... Que je lui dis... Attendez... Hop. Ça va être un peu juste, non? Ah, ça va être un peu juste dommage. Donc ouais, je sais pas pourquoi c'est là-dessus. Donc ça on le laisse comme c'était. Hop là. Comment se complexifier la vie comme pas possible pour pas grand chose. Justement, vous voyez, ça c'est vraiment, je suis rendu dans ce schéma de pensée là. Depuis quelques jours, depuis que j'ai commencé à faire ça avec l'autre, avec mon système de tri, c'est-à-dire des trucs très très compacts. Et sans doute beaucoup trop compliqués pour ce que c'est censé être.
Là, j'en suis... Je suis bon pour un, mais lui, je peux pas être bon. Sans flipper, c'est ça qui me rend triste. À moins que je passe ça comme ça. J'inverse ça, et donc... Mais non, comment tu veux que je le... Après, non. Gardons ça comme c'était. Très bien. Ça, ça, ok. Un peu serré là. De même. Là. Je passe des répartiteurs. Genre là. Bizarre puisque dans l'autre sens ça marche. Tant mieux, hein. Tant mieux, j'ai envie de dire. Ça fonctionne. Là, ok, ça là. Ça clip pas, on est d'accord. Oui. Là, est-ce que ça clip? En fait, c'est je disais que ça clipait, mais pas nécessairement. Ok. Ok. Là, ça c'est bon. Donc, ça, on le branche. Là. Lui. Faut juste le faire tourner d'un quart de tour. Pour que l'entrée soit de ce côté-là. C'est stupidement complexe, mais j'aime bien. Voilà. Ce nœud. Ce nœud pour le refaire monter tout ça, de, pour refaire monter ça proprement. Alors ça touche, mais ça clique pas. Et ça, c'est beau. Ok, donc là, tous les produits sont alimentés. Maintenant, faire l'inverse. Je pensais pas que l'épisode allait durer aussi longtemps, aussi facilement. Donc, là, j'ai déjà une sortie. Qui, dans les faits, peut déjà être... Vu que c'est par là, ou à la rigueur. Non, je peux pas la descendre plus. Voilà. Sauf que si je fais ça, ça va voir. Donc ce qu'il faudrait dans l'idéal, c'est... Voilà, c'est des groupeurs. C'est des groupeurs qui vont... Alors... Là, là. Est-ce qu'on va essayer un peu ? Si je lui dis de faire ça. Alors. Si je le fais sortir par où ? Je le fais sortir par là ? Oui, je peux le faire sortir par là, tu me diras. J'arrive pas à me défaire de l'idée que c'est quand même lié à la con ce que je fais. Hein. Même si là, c'est quand même beaucoup plus simple que ça ne l'a été. Ah.
Je vais réfléchir. On va réfléchir, laissez-moi cogiter. Ça, je peux faire ça. Non, je le branche, je suis mieux. Là, faut qu'il dégage. Pas plus. Le but c'est que ce soit épuré. Alors, si je fais ça comme ça. Hop. Brancher ici. Et que lui. Connecte à lui. Lui, je peux le connecter à lui. Ah. Alors lui, on va le descendre un peu. On va voir ça. Ça veut dire que j'aurais peut-être pu faire ça de l'autre côté aussi. Ah, ça aurait été... Non, on va peut-être refaire de l'autre côté. On va peut-être refaire. Je vais sauvegarder quand même au cas où, mais... À la fois, j'ai envie de faire ça, mais en fait, en même temps... Non, mais pourquoi c'est monté plus haut? Compte. Alors, ça. C'est stupidement difficile tout ça. Ah non. Merde. Bon. Ce n'est pas grave. Pourquoi? Parce que nous allons réussir à... Pas d'avoir balancé un autre quelque part, mais non. C'est bon. Là, faut décaler. Si je le décale le 1, c'est bon. Ouais, je fais ça à l'envers. Alors que je dis que les deux, je les connais. Hop. Oh oui, et après ça je vois très bien comment je vais finir. Par contre la fin là je l'ai. J'ai la fin, j'ai juste pas l'intermédiaire. Oh non. Non. Ok. Soi-même. On va hop. On fait quelque chose comme ça. Là, comme ça, comme ça. Hop. Alors c'est dommage parce que je suis un étage en dessous. Mais ça m'empêche que. Peu dans la théorie. Hop. Là, récupérer ça. Si je le mets là, c'est bien pour que je le mette bien parallèle de base. Alors, c'est bien. Je dis, je veux que tu ailles. Non, c'est pas droit. Ah. Après, rien ne m'empêche de l'huile bouger autre part. Théoriquement, il y a une chose, mais c'est pas bien compliqué. J'aime bien les plans. Ça fait travailler, ça fait réfléchir, c'est...
Voilà. Donc là, maintenant, ça fait que celui-ci peut partir par là. Et lui, de ce côté-là. Ça fait que lui, dans les faits... Je peux lui demander... Compacter, en fait. Ah, j'arrive pas à me centrer comme je le veux. Hein. Tout à l'heure, moi... Pas celui-là, hein. Je veux qu'il me... Voilà. Je ne peux pas être sur celui-là. Déjà, j'ai la forme que je souhaite. Non. C'est ça que je veux qu'il me détruise. Voilà, merci. Ça fait pas l'effet escompté, ça fait pas l'effet escompté du coup. Après... Rien n'empêche. Dernière option. Au moment, c'est faire ça. Ça, je le refais, mais pas ici, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire que je le compacte à fond aussi. Pourquoi je peux pas des fois récupérer un... Voilà. Je suis emmerdé. Ou attends. Mais attends, mais j'ai peut-être plus simple. Est-ce que je me ferais pas chier depuis tout à l'heure pour rien? Si je fais ça, que je fasse ça, que je lui dis tu viens là, bah voilà. Mais des fois, les réponses peuvent être parfaitement... obvious. Voilà. Et donc là, on a la sortie. Alors, la sortie, elle est de ce côté-là. Ce qui est un peu dommage, justement, maintenant. Hop. Après, tu me diras. Faisons un test, hein. Non, on voit, ça va. Ok, donc on peut laisser ça comme ça. Très bien. Donc ça... C'est bon. Là, il nous faut récupérer. Merde. Là. Ça. Et ça, c'est juste histoire de compacter des... d'empacter des constructeurs. Ah, j'espère que ça me servira un peu plus qu'une fois. Hein. Je le dis. Parce que là, franchement... J'ai le droit de dire que c'est un calvaire, je pense. Hop. Je peux finir un peu plus classiquement après ça. Ça doit pas être trop de soucis. Un peu trop bas, là. Ok, super. Alors, est-ce que je peux pas avoir un câble électrique quelque part? Voilà. Parfait, comme ça moi je serais plus perturbé. Je peux finir ça tranquillement. 4. 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc ça, ok. Voilà. Bon. C'est bien. Deux petits détails. Donc déjà, branchement. Je quitte à faire un beau plan, autant que le branchement soit propre. Donc autant le faire maintenant. Ça, on aura juste... Hop là. Un petit... Voilà. Ça va juste prendre un peu plus de temps, mais au final, je pense que ce n'est pas un temps qui va être si significatif que ça. Voilà, on essaie de faire ça. Hop. Proprement à chaque fois. Alors. Ça ne clip pas donc. L'avantage de faire ça maintenant, c'est qu'au moins je n'aurai pas besoin de te refaire de manière un peu plus archaïque. Disons, c'est comment je fais le dessus. Est-ce que je branche le dessus de la même manière ou pas?
Ce nœud là par contre, c'est un enfer. C'est vraiment un enfer. Visuellement, après tu me diras. Non, j'allais dire c'est normal, mais non, il n'y a pas de raison. Juste pour faire. Attends. C'est juste les entrées, hein. D'accord. Ah, l'entrée, elle est là. Ok, l'entrée, hop. Tac, tac. On va mettre un petit panneau, si je peux. Alors, panneau, pour les mettre sur ce genre de truc, faut être un petit peu grugeur. Voilà, faut faire ça. Faut prendre, c'est où? Là. Hop. Comme ça, ça fonctionne. Où est-ce que je le mets, hein? Pixel au-dessus. Pixel au-dessus est pas mal. Ouais, c'est pas... Hop, comme ça. Là, on est bon. Là, on est parfait. Donc là, on met... Donc là, on peut mettre... Donc là, tu mets... Entrée... Ressources. Voilà. On va mettre ça en style comme j'aime bien faire. Dire ça. Ça, on met à la place un logo. Hop. Et on va mettre juste tout ça en, dans un blanc. Juste dans du blanc. Hop là. Oh non, j'ai tout foiré. Ah. Hop, ça, ça. Agencement, là, là. Entrée ressources, ça, 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 ça. Ça, ça, sauvegarder, ça, ça. Ok, comme ça au moins. Je sais où est mon entrée dans la, des ressources. Enfin, de la ressource, parce que pour le coup, c'est juste une ressource. Tout va être branché là-dessus. Hop. Dommage ça par contre. C'est toujours dommage que je puisse pas fixer au mur. Non. Le détail qui va pêcher si je ne fais pas attention. J'ai une passion pour les plans dans le jeu, c'est fou. C'est fou, à la fois génial et à la fois stupide. Hop. Ça c'est juste pour avoir un côté un peu symétrique. Et à la limite... Comment je peux mettre... Faut pas aligner les trucs. Moi je veux la prise murale là. Je veux voir comment... Je peux placer ça. Non, là, par devant, c'était pas trop mal. C'est pas dégueulasse, hein, franchement. Sinon, est-ce que je me remets un toit artificiel ou... J'essaye un truc un peu... Et je suis en train de me rendre compte qu'il manque un petit détail. Les retours de ceux-là. J'ai peur que ce soit juste ici, donc il va falloir bidouiller un petit peu, mais c'est pas si compliqué que ça. Hop. Alors.
Je suis quand même moyennement satisfait. Oh, ok, en vrai. Ok, en vrai, ça va, c'est pas non plus... pas non plus immonde. Et je peux faire la même chose de l'autre côté. Hop là. Là, voilà. Ok, ensuite on propose juste ça. Allez. Non, qu'est-ce que je fais? Bon, je sais ça directement, je voulais pas. Et puis dans les faits, je trouve ça plus joli. Ça, c'est mieux ça. Question de roleplay. Ok. Non, c'est pas mal. Franchement, je suis... on ne peut plus satisfait. Alors. Là, ça. Avec ça, avec ça, avec ça. Avec ça. Mais sauf que non. Alors, c'est bien, mais c'est pas bien en fait. Hop, faudrait que je fasse ça comme ça plutôt. Pas, donc je suis obligé de passer autrement. Comment on va faire? Que la méthode la plus simple serait de faire ça, ça. Après, si le jeu m'autorise, moi je vais pas dire non, hein. C'est... je suis censé faire après ça, moi. Quand le jeu m'autorise ça, qu'est-ce que je fais? Bah, je le fais. Pas pourquoi je m'en empêcherais. Bon, on va hop, on va supprimer ces trois là. Hop. Faire ça, on va hop. Leur dire non, il veut pas comme ça. Donc, on va repartir sur base. Ça c'est vraiment, par contre, c'est truc astuce que tu peux avoir, c'est que il y a des choses comme ça qui passent des fois et qui ne passent pas tout le temps. Hop. Non, franchement. Juste un petit peu, je fais juste un petit vérif de tout ce que j'ai, si j'ai pas fait de conneries. Parce que... on peut en faire assez facilement, je pense. J'étais en mode non, si celui-ci marche pas, je pète mon crâne, mais non, c'est bon. Tout se marche. Ok. Ça dépasse légèrement. Mais si le jeu accepte, si le jeu accepte, c'est très, c'est parfait. Ok, le branchement est bon. Faudrait juste que je trouve un... hop. Cet embout-là. Limite, on peut faire ça comme ça. Je pense que ça limite encore plus propre.
faut encore moins de câbles apparents. Donc on va le faire. Voilà. Ok. Donc ça, 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 tout ça, c'est bon. Là. J'ai pas trop de soucis. Et donc... Est-ce que je mets ça ici, histoire de finaliser le truc? Franchement, on peut, hein. Alors, si on... Si je vais être un peu... chiant, faut le mettre là, pour que ce soit bien droit. Ok. Donc ça, c'est bon. Maintenant... Il y a juste aussi la sortie finale. Donc la sortie, elle est là. Et je veux juste tester faire une potentielle V2 si j'y arrive. Je vais pas forcer beaucoup, ça je préviens. Mais on va essayer quand même. Alors, là, là, hop. Je voudrais juste préparer donc comme avant. Voilà, je fais ça, je donne, je demande un petit panneau. Hop, là, il passe pas, par contre, je sens tout et hop. Là, là, entrée ressources. Sortie ressources. Hop, là. Parfait. Donc ça, c'est bon. Donc ça, c'est la V1. Alors. Conducteur. Compact V1. Hop, je le sauvegarde juste comme ça. En vrai, ça coûte pas si cher. Enfin, ça coûte un peu. C'est plus le... C'est bah, c'est plus la main d'œuvre qui coûte cher. Faut le dire comme ça. Alors, donc ça veut dire que je vais le mettre là. Attends. Alors, voyons. La nouvelle version. Enfin, la version test. 1, 2, 3. Je fais ça comme ça. Je trouve que c'est beaucoup plus simple. Je suis vraiment pris la tête pour rien. Hop. Ça, ça fait qu'après, juste alors, je vais juste vérifier un peu comment j'allais faire. Et juste le celui d'angle qui est un peu indépendant. Ok, pas tout ça. Hop là. Voilà, c'est un peu mieux. Attends, mais même, je peux même encore plus simplifier le truc. Encore plus le simplifier. Parce que ça. Ça, 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 ça n'a pas forcément beaucoup plus lieu d'être. C'est-à-dire que là, si je lui dis juste, tu me répartis ça en deux. Ça. Donc c'était droit, ok. Je lui demande de mettre ça et ça. Hop. Normalement, les quatre sont branchés. Oui. C'est bon. Bah voilà, beaucoup plus simple. Enfin bon, beaucoup plus simple, c'est... faut le dire vite fait. Mais oui, quand même. Ok. Bon. En fait, je pourrais aller jusqu'à l'éclairage, mais l'éclairage va me faire suer, donc non. Alors, V2. Ensuite. Un répertoire bâtiment modifié, ajouter une sous-catégorie que je vais renommer usine, ajouter le plan ici, oui, là, ok, donc bâtiment usine, on va mettre constructeur x 12.
12. V2. F pour deux étages. À ce moment-là, autant mettre en France. Il est où le constructeur? Il est là. Parfait. Essayez la couleur. Ça bleu comme ça, c'est joli. Voilà. Donc là. On est bon. Et j'ai pas tant forcé que ça hein, pour la deuxième version. Hein. Donc franchement, je suis assez fier. Vider le modeler. Le jeu a pas aimé. En même temps... Oh non. Attendez. Plan. S'il les a retenus... Je t'en supplie par contre, faut pas que ça plante. Ça n'a pas l'air d'avoir planté, ok. Donc, dans la théorie, tout ça peut fonctionner. Juste si je mets ça. Alors, on plante comme ça. La brique que ça fait. Alors, l'entrée elle est de ce côté-là. Parfait. Alors. Juste que je laisse un peu d'espace d'un côté ou de l'autre. Hop, si je fais ça comme ça, c'est très bien. C'est quand même... on voit qu'on fait... On voit les plans qu'on les fait. Hein. Voilà. Merde. Annulation. Oh non, non, c'est un plan qui fait planter. C'est pas grave. Et bien sûr, ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous fais à tous de gros bisous. Et je vous dis à la prochaine. Putain, allez sous. Ah, je suis désynchro. Je n'aime pas mes plans.